Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Oh là là. Oh le but, quelle fin de match on va vivre. J'avais dit que ça allait être compliqué, mais en fait non. C'est bon, je marque un but. Et hey, YouTube, on se retrouve pour la suite de l'UEFA Champions League. Go. Alors, dommage, je suis pas la Juve aujourd'hui. Et voilà, on casse les couilles. Je suis triste. Bon, on reprend. Oh la transversale. Bah, en fait, on n'a pas le temps de faire tout ça. Salut tout le monde, quel bonheur de se retrouver. Connard. Une nouvelle rencontre dans ce groupe. Et si moi j'ai pas envie de te saluer, comment on fait là? En direct sur eSports. Moi j'ai envie de jouer, moi. J'ai envie juste de jouer. On est très très heureux de vous retrouver avec Pierre. Je suis même pas la Juve. Rencontre du FA Champions. Je suis triste. Mais bon, après, ça veut pas dire que je suis pas la Juve, que je peux pas gagner. À côté, tu m'excuseras. Un peu les compètes en bois. On aura la chance aujourd'hui de suivre le Victoria Plzeň face à la Juventus de Turin. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Non. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Oui, c'est bon. La composition d'équipe de la Juventus. Ça, c'est de beau. Turin. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu. Ils sont forts, la Juve, putain, aussi, là. Non, mais la Juve, ils sont bons, ils sont bons. C'est une interception. Ouais, il est bien placé pour centrer. Allez, quelqu'un pour reprendre ce ballon, peut-être. Ce centre qui ne donne rien, finalement. Un petit peu précis sur ce ballon. Hop. Premier match. Allez, c'est le temps des pronostics, Pierre. Vous voyez qui de qualifier dans ce groupe? En premier, je dirais la Juve. Déjà, il y a une faute. Et c'est un petit peu la même chose pour Tottenham. Il y a une faute, là, l'arbitre. Corner. Des priorités du club anglais. Bah, corner. Normalement, corner, il est bon, c'est pareil. C'est pareil. On aura peut-être pas 36 dans ce match. Ils sont passés tout près du but sur ce corner. C'est dommage. Bien frappé, la je joue une équipe que je ne connais même pas. Salut Kedira. On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Quand tu veux qu'on dise sur Ronaldo, il a tout, la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. Choisis la frappe. Putain, ils ont le corner. Par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. J'ai un peu peur. C'est bon. Oh là là, la chance. Je pense qu'il y a un corner. Non, c'est bon. Trop fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté. Et comme ça passe pas loin, ça peut l'inciter à recommencer. On fait tourner. Putain, les gars, c'est compliqué là. Un petit peu adversaire pour placer une flèche. Ah, ils étaient sous pression, ils dégagent. Alexandro. Ça va être compliqué là, les gars, marquer. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Oh là là. Oh le but, quelle fin de match on va vivre. J'avais dit que ça allait être compliqué, mais en fait non. C'est bon, je vais marquer un but. Et tout est parti de ce contre avec un il était beau celui-là. Là j'aurais faire une reprise de volée mais j'ai hésité. Mais je l'ai quand même fait. Et voilà quoi. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Alors la Juve. Oui. C'est mal malin là. Hein. Bon, bon là il faut pas que qu'il remarque aussi. Ah c'est bon ouais. Non, elle est interceptée. Putain. Cette passe. Paulo Dybala. La Juve à l'attaque. La Juve là, n'attaque pas. Cristiano Ronaldo. Ouais, bah Ronaldo, il arrive pas à marquer. Sur ce tir. Paulo Dybala. Cristiano. Paolo Dybala, oh le bon ballon donné par Cristiano Ronaldo, attention non. Ça peut faire mal. C'est pas un bon ballon. Il prend sa chance. Hop là. Je t'ai dit que c'était pas un bon ballon. Sur cette action.
Le tir. Oh, c'est contré. Ouais, hors jeu, mais c'est comme l'autre qui la touche. Monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Bon, ma faute, le ballon est revenu sur moi, moi je tire. Samy Khedira. Paolo Dybala. Cristiano Ronaldo. Allez, par-dessus, pas mal. Bah non, mais pas la tête. Au pied. Peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Sûr s'il tire à la tête. Elle était bien placée pour intercepter. Dommage, cette dommage. Dommage. Samy Khedira. La Juventus qui va prendre l'aile. Personne pour la contrer. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Pjanic. Dybala. Ouais, la frappe de Cristiano Ronaldo. Oh, la frappe, mais. C'est pas passé loin. Ça non, va. C'était pas mal joué, il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Allez, dans le couloir. Oh, je vois lui qui court là. Lui là. Non, mais l'autre là. Il fait rien aussi là. Alexandro. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Paolo Dybala. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Alors le ballon est perdu. Ouh, il était temps là. Il était temps. Oui, il était temps. Il n'y aurait que 2 minutes. Je sais même pas ce que j'ai fait là. Je fais n'importe quoi. Ah, la bonne qualité de la passe. Cristiano Ronaldo. Les espaces. Faute hein, sur le joueur de la Juve. Coup franc donc. Faute. Faute de que dalle. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Et voilà, mi-temps. Eh hey, mon pote, quand c'est mi-temps, c'est mi-temps. Les joueurs qui retrouvent la pluie. Allez. Dans la seconde période. Avec une pelouse qui risque d'être de plus en plus glissante et des trajectoires de ballon qui vont être affectées, c'est sûr. Paolo Dybala. Ah là, ça hésite, hein, ça hésite. Ah non, le ballon est perdu. Non. Oh. Oui. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Allez, le centre à venir. Choisis la frappe. Hop, là, je la touche pas. Par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Heureusement que je la touche pas. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Et j'ai essayé de faire une frappe de très loin, mais j'aurais pu tirer un peu plus fort. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Aïe! Doucement. Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée. Sorti. Grand soulagement du gardien. Ouais, la frappe. Et non, le tir qui est contré. Ouais, ça revient directement sur le gardien. Ouais, t'as de la chance. Paolo Dybala. Ils attendent une ouverture dans la défense. Paolo Dybala. Ronaldo. Ce ballon qui est dégagé. Hop là. Et on court. De cette partie. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Et la remontée du terrain qui se poursuit. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Putain, en vrai, moi je vais marquer le deuxième but. Mais je pense pas que je vais réussir. Pjanic. Sacré parcours. C'est vraiment que je voyais un mec tout seul, quoi. Ouais, Hervé, ses parents qui ont fui la Bosnie-Herzégovine pour s'installer au Luxembourg. Avant de passer la frontière pour intégrer le centre de formation du FC Metz. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être. Mais attends, mais il me pousse aussi là. Il me retient pour pas que j'aille vers le ballon. Parce que je cours plus vite que toi, c'est ça.
Douglas Costa. Alors, rends-moi le ballon, s'il te plaît. Sami Khedira. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Allez! Oui, la frappe de Cristiano Ronaldo. Et ouais. Oh, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué. C'était nul. C'était nul. Ah, je rigole, en vrai, c'était voilà, beau, sortie, mais. Il peut être satisfait. Hein, faut juste apprendre à tirer, c'est tout. Performance solide de sa part. Douglas Costa. Oh là là, j'ai failli lui mettre un coup de. Il avait bien senti le coup. Tac. Ah, il a bonne passe. Ah, c'est trop loin. Attention. Quoi? Ah oui, il le met. Bon, c'était un peu loin, mais j'ai réussi à le mettre. Et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Oh là. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2-0. Pjanic. Eh ouais les potes. Kenny. Pjanic. Cristiano. Non, elle est interceptée cette passe. Alors, t'as juste à me prendre le ballon et c'est bon. Bon, ça, ça compte pas pour une faute. Hop là. Mais non. Ça, c'est plus possible, ça. Ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Merci. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Personne. La putain. Sur Chiellini. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Paolo Dybala. Matuidi. Tac. Il prend la frappe. Non. Le tir est raté, mais on sent qu'ils ont vraiment envie de marquer un but de plus. Putain. On va procéder à un changement. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. Putain, si tu l'as, j'aurais pu la mettre en vrai. Casse les couilles. Ah, tu dis. C'est récupéré. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Non, non, putain, j'étais sûr qu'elle allait récupérer. Mais là, j'aurais pu le mettre. Alexandro. Voilà, le coup de putain, j'aurais pu marquer le troisième. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, les amis, ça va tout pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et on se dit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.